le corps d'appui. Hop. Les et je vous donne une mallette également. Qui est là. Ah bah. C'est bon, Barbara. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ces 8e rencontres du Végétal. Est-ce que ça marche ici sur le centre d'Angers d'Agrocampus Ouest. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle Chevassi-Loza, je suis la directrice générale adjointe de l'Agrocampus Ouest. Je suis responsable du site d'Angers et dans mes missions de direction générale, j'ai la responsabilité de la recherche. Alors en vous disant que je suis très heureuse d'ouvrir ces 8e rencontres, ce n'est pas par la gornerie, par effet de style ou de politesse convenue. Parce que je voudrais souligner l'importance de ces journées pour l'établissement. Non seulement parce que ces rencontres que nous portons depuis 2003, sont une vitrine des spécificités d'expertise d'Agrocampus Ouest, autour du végétal spécialisé notamment, mais aussi parce que cet événement entre en parfaite cohérence avec nos propres missions d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à savoir formation, recherche et transfert d'innovation. Enfin, ces rencontres nous placent au cœur des débats et enjeux du développement des filières de l'horticulture et du paysage, dont les enjeux de compétitivité sont cruciaux. Les rencontres du végétal confirment au fil des éditions, et aujourd'hui nous ouvrons la 8e édition, leur rôle important de mise en synergie, de
de plateforme de dialogue entre les acteurs de la recherche, ceux de l'expérimentation, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi de la formation, de l'enseignement supérieur et technique agricole. Alors, ces rencontres du végétal sont placées sous la présidence très active et très stimulante de Madame Monique Botson, professeure à l'Université de Liège, et elles ont été organisées par un conseil scientifique qui met en étroite relation chercheurs, enseignants-chercheurs, d'AgroCampus Ouest, mais pas seulement, de l'INRA, de l'ESA, de l'Université d'Angers, du GEDES, avec des représentants des organismes nationaux d'expérimentation et de développement du secteur des fruits et légumes, le CTIFR, de la cidriculture, l'IFPC, de l'horticulture environnementale, la Strédor, des plantes médicinales et aromatiques, les Pêche-Maille, et du paysage, plantes et cités. Donc vous voyez bien, dès la genèse de ces rencontres, dans la construction de leur programme scientifique et d'organisation des journées, on est vraiment dans une collaboration entre recherche et expérimentation. Au niveau local, ces rencontres témoignent du dynamisme scientifique qui s'est progressivement construit autour du végétal sur le site Angerin, et je laisserai Philippe Simoneau, directeur de la structure fédérative de recherche CASAV pour qualité et santé du végétal, vous expliciter cette dynamique de la recherche angevine autour du végétal et dont l'IRHS, l'Institut de recherche en horticulture et semences, est une des principales unités. Au niveau local encore, ces rencontres sont mises en œuvre dans le cadre de la dynamique du pôle de compétitivité du végétal spécialisé, Végépolis, qui est partenaire du colloque. Donc c'est pour conforter cette synergie angevine que le choix a été fait en 2006 d'organiser des rencontres du végétal juste avant Cival, qui est le salon angevin des cultures spécialisées. Cette édition 2015 des rencontres du végétal se déroule durant la 6e édition de la Plants Week, portée par Végépolis, regroupant 4 manifestations professionnelles majeures sur le végétal spécialisé, réunies sur une même semaine à Angers. Alors on a les rencontres du végétal qui démarrent aujourd'hui, le VIBE qui démarre aussi aujourd'hui, qui est le Végépolis International Business Event, le CIVAL, le salon autour du végétal, et le Végépolis Symposium. Ces 8e rencontres ont pour thème compétitivité et efficience des filières du végétal spécialisé. C'est un thème majeur pour l'ensemble des acteurs des filières végétales spécialisées, surtout dans un moment crucial de concurrence internationale accrue, de changement climatique, de pression environnementale et démographique forte. Dans ce contexte, l'innovation est un facteur clé de la compétitivité. Ces 2 journées permettront de discuter certains leviers d'innovation, comme les leviers de l'innovation variétale, agronomique, technologique et organisationnelle. En ayant l'ambition de croiser les résultats de la recherche et de l'expérimentation, et en gardant présent le souci de comprendre les verrous de la production de ces nouvelles innovations, une grande partie des travaux qui seront discutés et présentés aujourd'hui et demain concerneront les processus et les dispositifs de production des innovations. À la lecture des inscriptions, des statistiques des inscriptions, je pense que les conditions sont remplies pour que cet objectif de discussion, de confrontation des points de vue de la recherche, de l'expérimentation et de la formation soit atteint. Ainsi, vous êtes 261 inscrits, alors pas tous encore arrivés. 42% d'entre vous êtes des représentants des secteurs de la recherche, que vous soyez chercheurs, enseignants-chercheurs, mais aussi personnel technique. 25% d'entre vous êtes des représentants du monde de l'expérimentation, du développement des entreprises du secteur. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir des enseignants des lycées techniques agricoles, et vous êtes 5% des effectifs. Enfin, je suis ravie de voir que 29% des participants sont aussi des étudiants. Des étudiants de nos filières d'ingénieurs ou de master, mais aussi des étudiants de BTS. Nous avons pris l'habitude d'ouvrir, quand faire se peut, ces journées scientifiques à nos étudiants. C'est pour nous un point essentiel dans notre stratégie de formation, de lier formation et recherche. C'est pour les étudiants l'occasion de participer à ces débats, d'en comprendre les enjeux et d'appréhender les interactions entre le monde de la recherche et de l'innovation. Ce sont eux, nos futurs cadres de demain, qui seront, je l'espère, les porteurs de ces nouvelles innovations. Et la formation est la meilleure façon de lever les freins aux risques et aux changements. Voilà, le terreau est donc fertile pour que les discussions soient riches. Et avant de laisser la parole à Monique Botson, qui va vous expliciter le contenu du congrès, je voudrais remercier toute l'équipe d'organisation du colloque. Au premier chef, Monique, présidente du conseil scientifique,
Mathilde Briard, professeure à AgroCampus Ouest, qui est responsable scientifique de ces journées, ainsi que l'équipe d'AgroCampus qui a porté le montage de ces journées, Marie-Pierre Louage, Annie Sala et Sylvie Gugadel. Enfin, je voudrais remercier ici les partenaires financiers de ces journées, le Conseil régional des Pays de la Loire, Angers-Loire Métropole, France Agrimaire, Valor, le CNIS, Interfel, la SNHF et Angers Expo Congrès. Votre fidélité à nos côtés nous permet au fil des ans de transformer ces journées en un événement scientifique incontournable au niveau national. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite de très bonnes séances de travail, productives, stimulantes et je l'espère innovantes. Merci Emmanuel pour cette introduction, cette présentation sur laquelle je vais essayer d'enchaîner, mais elle a déjà introduit pas mal d'idées et d'éléments qui me semblent essentiels pour expliciter le programme. Et donc tout d'abord, bienvenue à tous et toutes à cette huitième rencontre du végétal. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de très rapidement vous présenter en guise d'introduction le programme, comment ce programme a été construit et pourquoi il a été construit de cette manière. Et donc comme Emmanuel vient de le rappeler, le thème des rencontres est la compétitivité. Donc c'est un thème qui a été retenu au cours d'une réunion conjointe du conseil scientifique et du comité pilotage. Et très rapidement, il est apparu que la compétitivité était vraiment une question essentielle qu'il fallait mettre au cœur des préoccupations des rencontres. Et dans la discussion qui a suivi cette identification du thème, très rapidement sont apparus également les termes efficience, innovation, donc compétitivité en relation avec l'efficience des filières, en relation avec l'innovation. Et ce sont donc ces trois mots-clés qui ont servi vraiment d'éléments moteurs pour la définition du programme dans sa totalité. Donc ce sont les trois mots-clés de référence qui ont servi à la réflexion, à la discussion et à l'identification des interventions pour ce colloque. Et donc, comme Emmanuel vient de le rappeler, les rencontres du végétal sont conçues pour être un carrefour d'échange entre acteurs de la recherche et acteurs de l'expérimentation. Les deux groupes d'acteurs actifs l'un et l'autre dans le domaine des filières du végétal spécialisé. Végétal spécialisé qui, comme Emmanuel l'a rappelé également, recouvre toute une série de techniques de production et de produits différents, pour des fruits et légumes alimentaires, en passant par les aromatiques, médicinales condimentaires et également la filière paysage puisque elle a un rôle tout à fait essentiel, le paysage joue un rôle tout à fait essentiel ici à Angers et plus particulièrement par la formation à AgroCampus et donc représente une filière un peu particulière mais un domaine de recherche et d'expérimentation et d'innovation tout à fait important. Donc l'ensemble, systématiquement, l'ensemble de ces filières doivent être présents, ou en tout cas, doivent être analysés et doivent être intégrés dans le programme des rencontres. Donc ça, c'est une nécessité, je vais dire, qui résulte de la conception même des rencontres du végétal dès 2000. Et donc, pour ce faire, les rencontres sont systématiquement structurées en sessions plénières et en sessions parallèles. Donc les sessions plénières sont destinées à ouvrir le cadre de réflexion et d'analyse autour du thème retenu, donc à entrer dans des questions éventuellement dans des aspects d'autres disciplines, dans des questions plus larges que celles qui concernent le végétal spécialisé, pour justement ouvrir une réflexion et éventuellement une nouvelle dynamique plus interdisciplinaire. Ça, c'est le rôle des sessions plénières. Tandis que les sessions parallèles, elles sont beaucoup plus pointues et focalisées directement sur des questions qui sont spécifiques aux filières. Alors c'est sur ce schéma donc, que le programme de ces rencontres, de ces huitièmes rencontres a été construit, autour donc des mots-clés, compétitivité, efficience et innovation. Alors les sessions plénières, elles sont au nombre de trois. La session plénière d'ouverture, celle qui va démarrer bientôt, et cette session plénière d'ouverture devrait s'afficher, mais c'est pas grave, peu importe, je vais rapidement l'évoquer.
Elle est centrée sur quatre thématiques génériques. Donc, dans la première session plénière, on rejoint donc ce souci d'ouverture et de réflexion élargie. Et elle aura donc quatre thèmes particuliers, ou quatre thématiques particulières. Une première thématique qui relèvera du domaine économique, avec notamment l'impact du règlement de sur l'organisation commune des marchés et son impact sur la filière du végétal spécialisé. Une thématique qui est beaucoup plus liée à l'environnement, aux préoccupations environnementales que l'on retrouve de manière tout à fait générale dans la société à l'heure actuelle. Et elle sera orientée, en tout cas je vais rapidement la définir en deux termes, de services écosystémiques, même si elle va être certainement, l'intervention va être beaucoup plus large que strictement les services écosystémiques liés au système, aux agro-systèmes et notamment aux agro-systèmes du végétal spécialisé. Une intervention de nature sociologique avec une analyse des impacts de la recherche publique sur la société, avec en toile de fond comment est-ce que l'innovation est acceptée, quels sont les types d'innovation qui sont acceptés, comment sont-elles acceptées au niveau de la société, ce qui est un autre élément absolument essentiel. Et enfin, une dernière intervention de cette première session plénière sur la conception de l'innovation dans la démarche des partenariats recherche et développement. Alors, la session, une deuxième session plénière va intervenir en fin de journée. Cette deuxième session plénière a été conçue pour prolonger et approfondir la réflexion autour de l'innovation. Il y aura deux exposés au cours de cette deuxième session plénière. Un premier exposé sur les méthodes, parce qu'il y a une méthodologie de conception d'innovation. Donc ce sont des préoccupations qui sont apparues a priori depuis plusieurs années déjà, qui ont conduit d'ailleurs à des analyses un peu plus théoriques. Donc ce sont des questions apparues dans l'industrie. C'est le domaine industriel, notamment le domaine des grandes industries, qui était également dans ce même contexte de rechercher une meilleure compétitivité, de l'innovation, qui a initié, qui a été le premier demandeur de ce type de réflexion. Et donc nous aurons un exposé qui viendra introduire en tout cas l'auditoire aux préoccupations des méthodes de conception d'innovation. Et enfin, deuxième exposé où seront présentés et analysés les partenariats européens d'innovation, donc qui sont des programmes européens de recherche, notamment régionaux, qui sont orientés sur des activités en relation avec l'innovation. Donc ça, c'est la deuxième session plénière. Troisième session plénière, ce sera la session plénière de clôture du colloque. Elle est toujours sous la forme d'une table ronde. Et cette table ronde qui rassemble des responsables d'entreprise ou des responsables de groupes professionnels. Elle est animée par un journaliste, en l'occurrence Rémi Maire, qui a déjà l'année dernière animé de manière tout à fait intéressante et stimulante la table ronde de fin de session, de la session précédente, la table ronde de fin de colloque de la session précédente des rencontres. Et donc, elle a également un titre extrêmement stimulant, l'innovation est-elle le fruit du hasard? Donc, c'est une interpellation, et la table ronde étant également conçue pour ouvrir un débat avec la salle. Donc, ça, ce sera la troisième session plénière qui va clôturer notre colloque. Alors, entre les sessions plénières, nous avons alors en cœur de programme les sessions parallèles. Et les sessions parallèles, elles sont au nombre de 5. Et elles ont été conçues, ces sessions parallèles, autour des mêmes mots-clés, donc compétitivité, efficience et innovation. Et pour, je vais dire, rencontrer les préoccupations des filières du végétal spécialisé, on a identifié 5 thématiques qui représentent des préoccupations que l'on retrouve dans chacune des filières du végétal spécialisé. Donc ce sont la construction, on a donc construit les sessions parallèles cette fois-ci sur une base thématique et non plus sur une base filière. Et cette construction sur une base thématique, toute filière confondue, donc avec des exposés, on a demandé aux animateurs de veiller à ouvrir la session
à des interventions, soit de chercheurs, soit de l'expérimentation, en provenance de toutes les filières, en tout cas de toutes les filières qui avaient un intérêt pour les thématiques. Donc la construction sur base thématique, toutes filières confondues, est apparue plus pertinente dans la perspective de mettre en évidence des approches méthodologiques ou prometteuses, ou bien d'identifier de nouveaux moyens d'action, mais également d'identifier des limites ou des points faibles qui nécessiteraient ou qui devraient faire l'objet d'une attention particulière. Donc c'est vraiment pour essayer de dégager des éléments qui peuvent être, ou en tout cas des approches, des modes de travail qui peuvent s'appliquer à différentes filières et qui peuvent, moyennant éventuellement, des éléments particuliers ou des questions spécifiques à prendre en considération, être appliquées efficacement à d'autres filières. Et donc, c'est une dynamique de dialogue entre recherche et expérimentation, mais également entre filières, que ce groupe nous invite. Et je nous le souhaite à tous, très fructueux. Bien, donc, je vais vous présenter très rapidement la structure fédérative de recherche qualité santé du végétal. Donc cette structure, c'est en fait une fédération de recherche en sciences du végétal et qui est en place maintenant depuis 2008 sur le site et qui porte une ambition collective commune qui est d'accroître la visibilité et l'attractivité du pôle végétal spécialisé nigérien. Alors c'est une ambition importante mais qui prend toute son actualité actuellement avec la création de l'université Rotterdam. Le pôle Rangevin végétal spécialisé, le pôle régional végétal spécialisé, devant avoir toute sa place, bien sûr, au sein de cette université Bretagne-Loire, à côté et en complémentarité avec nos collègues rennais et le pôle d'agronomie de Rennes et le pôle alimentation de Nantes. Donc, la SFR est un acteur important de ce pôle Rangevin végétal spécialisé pour la partie recherche. Comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, elle regroupe 8 unités de recherche depuis 2012. Parmi ces unités, on va retrouver bien sûr la grosse UMR, Institut de recherche en horticulture et semences, mais également d'autres unités, 2 unités expérimentales de l'UDRA, 2 équipes d'accueil de l'Université d'Angers, 2 unités propres de l'ESA, et également une équipe d'accueil de l'Université de Nantes. L'ensemble de ces unités regroupées dans la SFR, c'est quand même 350 personnes, ce qui correspond à peu près à plus de 90% du potentiel régional sur les sciences du végétal, 140 ou 150 enseignants-chercheurs et chercheurs et une soixantaine de docteurs. Alors, qu'est-ce que fait la SFR? En fait, les objectifs de la SFR, c'est de participer à la structuration de ce pôle végétal. Et cette structuration, elle se fait notamment par le soutien à des axes thématiques fédérateurs. Depuis notre création, nous avons décidé collectivement de soutenir principalement 3 axes qui sont la gestion durable de la santé des plantes, la biologie, la qualité et la santé des semences, et la qualité des productions végétales spécialisées, ce qui regroupe l'essentiel des activités de recherche qui sont développées au sein des unités que je vous ai mentionnées précédemment. La SFR met également en place en parallèle une animation scientifique par le biais de séminaires, journées de doctorants, etc. Elle a également pour but de stimuler les partenariats, alors que ce soit les partenariats avec les formations, en particulier les formations à et par la recherche, les masters interrégionaux BioVilpa et Protev, également l'école doctorale Vénam. Les partenariats également transdisciplinaires avec d'autres secteurs de la recherche, notamment les secteurs de mathématiques, de STIC, des SHS, de la santé, de la chimie. Et enfin, bien sûr, puisqu'on est dans une dynamique recherche, formation, innovation, également développer les partenariats avec les filières professionnelles, les instituts techniques, et ceci se fait bien sûr en partenariat avec, enfin, partenariat privilégié avec les GECODIS. Et enfin, toujours en ce cadre de cette structuration du pôle végétal, la SFR coordonne un certain nombre de gros projets structurants, en particulier pour les plus récents. Depuis 2014, on a un projet qui s'appelle Recherche, Formation et Innovation sur le végétal, qui est soutenu par les collectivités. Et depuis 2008, la SFR a également coordonné les programmes CPER.
Et en particulier, j'ai un petit focus sur le programme CPER qui vient de se terminer et qui est un élément, je pense, fort de visibilité du pôle. C'est le programme que l'on a appelé Campus du Végétal, dans lequel il y a un gros volet immobilier, plus de 20 millions d'euros, qui s'achève actuellement avec notamment la livraison d'ici deux mois d'un bâtiment de recherche de plus de 5000 m2 que vous pouvez regarder, il n'est pas très loin d'ici, hein, sur le site de l'INRA proposé. Également les installations expérimentales, plus de 5000 m2 de serres, de chambres de culture, etc., qui est très proche d'ici, puisque c'est sur le domaine d'un gros campus. Et également à proximité, puisque c'est à côté de la Technopole, la maison du Végétal qui accueille donc les services de Végépolis et de Plan des Cités. Ce qui veut dire que tous les acteurs de la recherche, de la formation et de l'innovation sont regroupés aujourd'hui au sein de ce campus du Végétal. Alors, la SFR, c'est pas seulement structurer la recherche, c'est aussi essayer de trouver les moyens de mutualiser au mieux les moyens humains et les équipements. Et la SFR a mis en place depuis sa création plusieurs plateaux techniques et plateformes. Je vais passer très rapidement parce que je sais qu'on est un petit peu en retard déjà, mais il y a quatre plateaux techniques qui ont été mis en place et qui sont très actifs actuellement, qui sont un plateau d'imagerie cellulaire, un plateau d'analyse phytochimique, un plateau d'analyse des acides nucléiques et une collection de micro-organismes. Pour avoir plus d'informations sur ces plateaux, il y a des posters dans le hall d'entrée, donc je vous encourage à les voir. Et puis il y a également deux plateformes, une assez récente, qui est une plateforme de phénotypage. Vous aurez également l'occasion de voir des posters et d'entendre des intervenants de cette plateforme, je crois, cet après-midi à la session sur le phénotypage. Et puis une plateforme d'analyse sensorielle qui est pilotée par l'ESA et qui est également rentrée depuis 2012, je crois, dans la structure fédérative de recherche. Voilà, donc j'ai fait rapidement, j'espère que j'ai tenu le temps. Et je vous remercie. Et je passe la parole à Michel. Bonjour à toutes et à tous. J'étais à la première réunion des rencontres du Végétal il y a déjà beaucoup d'années, mais avec une autre casquette. Mesdames et messieurs, c'est avec fierté que je participe à l'ouverture de cette 8e édition des rencontres du Végétal, qui rassemble scientifiques, chercheurs, enseignants, expérimentateurs, professionnels autour du thème du Végétal qui symbolise si bien notre ville d'Angers. Je m'appelle Michel Vallée, je suis en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein des collectivités locales angevines et à ce titre, je suis porteur de la part de Christophe Béchu, le maire d'Angers et président de notre agglomération, d'un message de bienvenue et d'encouragement pour la réussite de cette manifestation. Je tiens tout d'abord à remercier AgroCampus et l'INRA, mais aussi l'Université d'Angers, le GEVES et le groupe ESA pour cette initiative qui permet de lier la notion de compétitivité avec la filière végétale et ainsi de participer au rayonnement de notre ville. Je remercie également les partenaires Végépolis, le CTIFL. Ça, c'est une chose que j'ai appris aussi, maintenant un petit peu plus le milieu de l'agroalimentaire et des végétales, c'est le nombre d'acronymes absolument incroyables. Et j'ai été encore obligé d'aller sur Google, savoir à quoi correspondait tel sigle ou tel sigle. Bref, donc c'était l'IFL, l'ITEPMA, alors ça je connais bien celui-là, l'Astre d'Or, l'IFPC et bien entendu Plan des Cités, qui sont directement impliqués dans ces journées du végétal. Je suis également venu vous confirmer que dans le domaine du végétal, le soutien des collectivités locales, que je représente ici, vous est pleinement acquis. Cela se manifeste notamment par les engagements financiers anciens, mais je dirais futurs, tout à fait significatifs, dans le prochain contrat de plan État-Région 2015-2020,
ainsi que dans les projets scientifiques structurants que sont d'une part le RFI du végétal et d'autre part le Connect Talent Epicenter. Nous sommes ainsi résolument à vos côtés dans le développement des formations de qualité que vos établissements dispensent sur notre territoire, dans le renforcement des équipes de recherche sur des thématiques modernes et différenciantes à l'échelle nationale, voire internationale, et sur la nécessité d'accroître encore les rapprochements et les collaborations avec les entreprises du domaine, soit directement, soit par l'intermédiaire des partenaires que j'ai mentionnés il y a quelques instants. Les travaux, les expériences, les expertises qui vont être présentées lors de ces rencontres du végétal valorisent une ambition angevine essentielle, faire d'Angers la capitale du végétal, notamment en matière d'innovation, cela vient d'être rappelé par Mme Botson. Cela va d'ailleurs avoir une traduction pratique dans un avenir assez proche, puisque la réalisation de la coulée verte ou coulée végétale, alors je parle plus pour les Angevins, entre l'allée Jeanne d'Arc et la promenade du bout du monde, va bientôt être lancée. Cela sera pour notre ville l'affirmation de notre volonté de revégétaliser le centre-ville, mais aussi une formidable vitrine pour votre savoir-faire dans le domaine. Dans un contexte de mondialisation, vos travaux et réflexions vont permettre de construire de nouvelles approches afin d'inciter tous les acteurs de la filière végétale à s'adapter à notre environnement économique mouvant et ainsi assurer notre compétitivité. Je me félicite de constater une nouvelle fois que la filière végétale mobilise de nombreux acteurs qui dynamisent l'économie de notre territoire et renforcent son attractivité. Je vous souhaite donc de riches échanges qui, je l'espère, mettront en valeur les conditions d'une innovation efficace et durable dans le domaine du végétal. Et pour ceux qui auraient encore un peu de temps, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir notre ville d'Angers, son château, sa cité, ses musées, ses jardins, et toutes ces choses qui font d'elle la destination privilégiée du bien-vivre, puisqu'elle a été, comme certains le savent, peut-être classée numéro un en France des villes où il fait bon vivre. Je vous souhaite donc de bonnes rencontres, de bons échanges et de bonnes collaborations entre vous. Je vous remercie. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mathilde Briard. Je suis effectivement ici en tant que coordinatrice scientifique des rencontres du végétal. Je suis professeure en sciences du végétal appliquées à l'horticulture et l'agriculture ici à Agro Campus Ouest. Et je suis également directrice adjointe de l'Institut de recherche en horticulture et semences, IRHS. Avant de vous donner quelques messages techniques concernant le déroulé des rencontres, je voulais revenir sur quelques remerciements. Bien sûr, le conseil scientifique, mais là, je pense qu'on en a parlé, notamment l'implication que j'apprécie énormément de Monique Hudson, qui apporte beaucoup de dynamisme, et du bureau. Donc tous les membres du conseil scientifique qui permettent cette orientation et le choix des différents thèmes. Revenir aussi sur l'importance du rôle des animateurs des sessions plénières, puisque c'est eux qui ensuite construisent l'intérieur des sessions et donc font le contenu du colloque. Alors je ne vais pas les citer tous, par contre je peux citer leur structure de rattachement, Végépolis, Université d'Angers, Astrodor, INRA, Villemorin, Agrocampus Ouest, Plante et Cité, CETIFM, c'est pour cette édition. D'autres instituts sont dans les autres éditions, cela dépend des éditions. Par contre, nous avons à cœur à chaque fois, pour toutes les sessions en parallèle, d'avoir un binôme à la fois de l'expérimentation et de la recherche pour construire vraiment conjointement cet échange.
Et puis je n'oublierai pas l'animateur de la table ronde, Rémi Maire, qui nous est désormais fidèle et que je remercie chaleureusement. Un petit mot pour la SNHF, puisque la SNHF permet l'organisation d'un concours poster. Donc je vous invite à aller voir, visiter les différents posters qui seront exposés et découvrir le lauréat qui sera dévoilé demain, au début de la table ronde, me semble-t-il. Donc merci aussi au jury de ce concours. Un peu plus sur l'organisation technique, je veux remercier chaleureusement le service logistique, informatique et DIRCOM d'Agro Campus Ouest, sans lesquels toute organisation purement technique ne serait pas possible. J'en profite pour souhaiter un beau bébé à Lucie, puisque c'est un projet en cours. Je remercie également les étudiants de l'association Vertige qui ont assuré la décoration des lieux que je pense vous apprécierez. Et puis bien sûr, ceux sans qui le colloque ne pourrait absolument pas avoir lieu, c'est toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre et en particulier trois personnes. Emmanuel les a citées, mais je veux absolument moi-même les reciter parce que sans elles, je ne pourrais rien faire. C'est Marie-Pierre Loige et Sylvie Guyaner du Bureau des rencontres qui assurent toute la partie administrative et gestion. Et puis Annie Salin, qui est enseignante dans la filière apprentissage ici à Agro Campus Ouest et qui est mon bras droit pour l'organisation scientifique et technique. Donc un merci chaleureux à toutes ces personnes. Les messages techniques auxquels il faut que vous prêtiez la plus grande attention si vous ne voulez pas rester sans manger, par exemple, ce qui peut être désagréable. Mais avant de manger, à 13h, un apéritif vous sera offert ici, dans le hall. Et puis à l'issue de cet apéritif, vous suivrez les guides qui vous emmèneront jusqu'au restaurant de la Technopole où votre repas sera servi. Mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle pour les membres du conseil scientifique, pas d'apéro. Je vous donne rendez-vous à l'accueil. Et nous, donc, dès la sortie de la session plénière, nous nous retrouvons à l'accueil pour nous diriger vers la maison du végétal, où nous aurons quand même un plateau repas, je vous rassure, et où nous pourrons tenir notre réunion de conseil scientifique et ainsi préparer le thème de 2017. Toujours de l'avant. Alors attention aux membres du conseil scientifique, il faut absolument qu'on quitte les lieux ici à 13h15 pour être là-bas à 13h30, parce que comme vous l'a dit Emmanuel, je crois, se tient également en ce moment le VIBE, donc avec beaucoup de personnes qui vont être aussi dans la maison du végétal, donc il ne faut pas qu'on se mélange et qu'on se perde. Donc, membre du conseil scientifique, départ ici, 13h15, absolument. Alors, juste une petite information technique pour ceux qui auraient besoin de recharger leur téléphone ou ordinateur portable sans s'en servir, bien sûr. Des prises électriques ont été été placées sous certaines paillasses de cet amphi, donc n'hésitez pas à les utiliser. Je remercie le service logistique d'avoir assuré cette pause pour la plus grande urgence et efficacité. Demain midi à 14h30, une navette gratuite peut acheminer les personnes qui sont intéressées par son déplacement vers le Cival. Donc départ à 14h30 d'ici pour aller jusqu'au Cival, pour ceux qui le souhaitent. Ce soir, pour ceux qui sont inscrits au dîner de gala, une navette également au départ d'ici à 19h45 et qui vous ramènera à vos hôtels. Et dernière petite demande, dans vos sacs, vous avez une enquête de satisfaction. C'est extrêmement important de nous la remplir et de nous la laisser avant de partir. C'est ce qui nous permet de progresser d'édition en édition.